Parlons d'Abraham. Parlons d'Abraham Avinu, Baruch Haba tout le monde, monsieur Rabbi Moïse Derry, monsieur Znati, monsieur Harouche, docteur Wanounou, monsieur Bronner et toute la compagnie ici. Alors, à Botaï, on va parler un petit peu d'un comportement quand même d'Abraham. Je vais juste laisser des questions, on ne va pas tout de suite les répondre. Mais par rapport à Abraham, et on va essayer de voir aussi des choses intéressantes par rapport à la paracha de cette semaine, donc la semaine dernière et cette semaine. Abraham Avinu, vous savez, il va aller en Eretz Israël, en terre de Canaan, suite à l'ordre divin de quitter Haran, donc l'Irak actuel, pour aller vivre en Eretz Israël. Et il arrive là-bas, en terre de Canaan, et une des dix épreuves, parce qu'Abraham Avinu a passé 10 épreuves, c'est qu'il arrive dans cette terre où Dieu lui promet l'Eldorado, quoi. C'est vraiment, il arrive là-bas, c'est la famine. Donc Dieu lui dit, je te bénirai, je te donnerai tout ce qu'il faut, va là-bas. Il arrive là-bas, nada. Il n'y a même pas de quoi manger. Donc il dit, attends, il y a un problème là. Et il ne remet pas en cause la question de la parole de Dieu, pas de problème, il faut aller en Égypte, on va en Égypte. Il faut vivre. Il arrive là-bas, il dit à sa femme, écoute, mamie, enfin Sarah et Ménon, dis s'il te plaît que tu es ma sœur, afin qu'on nous donne beaucoup de cadeaux. Rachid dit, les manitav lui va vous rire, ve haïta nafshi biglaler, afin qu'on me fasse du bien et que je puisse vivre. C'est-à-dire que si tu dis que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur. Si tu dis que tu es ma femme, ben ils vont dire, ben on va tuer l'ennemi public numéro un Dieu, c'est le mari de la belle femme. Donc on le tue, pour ça on peut marier cette femme au pharaon. Alors dis juste, tu es ma sœur. Pour moi, hein, si je suis frère, au contraire, on va me faire des honneurs pour pouvoir dire. Le beau frère, regarde avec qui on va marier, épouse ta sœur. C'était vraiment un danger. Un danger. Non, mais Sarah, je pense que c'était sa nièce ou sa fille. Quoi? Il y avait une relation au point qu'il n'a pas menti en disant. C'est... Alors oui. Oui, parce qu'en fait, lui, c'était. Il avait 3 frères. Terah, il a eu 3 enfants. Nahor, Haran et Abraham. Et Haran, il a eu comme enfant Sarah. Donc, il s'est marié. C'est sa nièce. Mais si je ne m'abuse, sa femme, la mère d'Abraham, je pense qu'il s'est marié avec Haran. C'est possible. Non, c'était possible. C'est possible. Pourquoi laissez-moi vérifier si je ne me trompe pas. C'est que c'était avec d'une autre femme. Le même père, plusieurs femmes. Okay. Et cette même femme s'est mariée avec... il faut que j'aurais fait une drache. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que là, c'est intriguant. On voit les mains établies. Donc Abraham, à qui tout est réfléchi, posé, analysé, il n'y a pas... Et si c'est écrit dans la Torah, ce n'est pas pour nous faire la prose, la discussion. Là, vraiment, c'est pour nous dire que chaque détail est important. Donc, je veux vivre. D'abord, Abraham dit, je veux vivre. Mais avant ça... Par utilité, je veux comment faire des cadeaux. Si je suis le futur beau-frère du pharaon, on va me gâter d'or et d'argent. Donc, il va dire, les manitavli. Rachid dit, c'est quoi, afin qu'on me fasse du bien. Rachid expliquait, on me donnera des cadeaux. Et je vais vivre aussi. Donc, on voit qu'Abraham, apparemment, il accepte. Pourquoi beau-frère? Ben, beau-frère du pharaon, parce que s'il dit que je suis la sœur, il dit, je suis le frère de Sarah. Au début, il a demandé à Sarah de se présenter comme le frère de, comme la sœur d'Abraham. Oui, d'accord. Donc, ça voulait dire qu'il, déjà, il consentait à donner sa femme. Hein. Non, il ne consentait pas. Alors, il ne consentait pas. Mais c'est toujours. Tiens, vous avez raison. Vous avez, mais d'abord, il se protégeait. Et deuxièmement, c'est que vous avez raison. Vous m'avez pris au mot, vous avez raison. Mais, comme pour dire, vous allez dire comme ça, on va m'approcher. On va m'approcher. Mais il n'avait pas confiance en Hachem, alors. Si. Alors, regardez. Alors, c'est ça que je vais... C'est ça, ma question, en fait. Dis, parce que, vous savez, un exemple. Si moi, je me marie avec votre sœur, alors si je vous connais bien, je vais vous dire, oh, tiens, c'est de sortir avec moi. Allez, je t'en prie. Parle-lui, dis, je suis un mec sympa, n'est-ce pas? Et on fait pas des... Tu me connais comment je suis droit, moi. Hein. Donc, au moins, si on va m'approcher, on va me donner des cadeaux, on va me donner des... Donc, on voit qu'il est ouvert à l'idée de recevoir des cadeaux, ouvertement. Bon. Et c'est étrange. Pourquoi? Parce qu'il a un comportement qui est complètement paradoxal. Je prends la suite de la paracha. À la suite de la paracha,
lorsqu'il va faire la guerre contre les Cadrois, vous vous souvenez? Il fait la guerre. Donc, dans les règles de l'époque, en tout cas, même d'aujourd'hui, on fait la guerre. Et tout ce qui nous... Et si j'ai gagné la guerre, tout m'appartient. Bah, tout m'appartient, je suis le maître. Donc je domine tout le monde, j'ai conquis ça, moi. Et là, le roi de Sodome vient va dire à Abraham, s'il te plaît, laisse-moi les âmes, femmes et enfants, etc. Et prends toute la richesse. Abraham va dire, je jure que je ne prendrai pas ni un lacet de chaussures, je ne prendrai rien, une chaussure ni un lacet. Je ne veux pas que tu viennes dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Dieu m'a dit, je vais t'enrichir. Je veux pas que ça me passe par toi. Ah. Dieu va m'envoyer. Je veux pas que tu dises et que tu ternisses la bénédiction de Dieu en disant c'est moi qui l'a. D'un autre côté, Hachem. Mais tout ça, excusez-moi. Tout ça, ça a été fait pour que le Tliat Mitzrayim, la même chose que Pharaon lui a donné l'argent maintenant, les Juifs auront ça en même temps plus tard. Bravo. Bravo, vous donnez une réponse. Alors, un instant, je vais quand même d'abord développer la question. Donc, est-ce que vous comprenez le comportement qui est paradoxal? D'un côté, il est ouvert des reçoit des cadeaux d'Égypte. Et d'un autre sens, lorsque ça lui revient de droit, là, parce qu'il vraiment, il a sauvé tout ce monde et il lui dit c'est à toi, il dit non, je ne prendrai rien. Donc, le Sifteh Haramim me pose la question, il dit je ne comprends pas. Qu'est-ce que Abraham a vu, à quoi il joue? Première réponse, donc vous donnez une réponse, M. Brunner, qui est très belle. Abraham, c'est un avant-gardiste. Abraham, il sait qu'il est en train de poser les jalons d'histoire. Parce que Dieu va lui dire, tu seras père d'une grande nation. Et il sait que tout acte qu'il va poser maintenant, c'est un acte qui est prémonitoire pour le futur. En hébreu, ma'asé avot siman labanim. Les actions des pères sont des symboles pour leur enfant, pour la suite. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, de la même manière que moi, aujourd'hui, je quitte l'Égypte riche et bien et doté de beaucoup de choses, de richesses, et bien ainsi mes enfants, lorsqu'ils rentreront en Égypte, parce que Dieu m'avait prédit qu'ils allaient aller en exil, me souvenez-vous, et bien ainsi mes enfants, mes descendants quitteront l'Égypte à les mains pleines d'or et d'argent, et c'est ce qui s'est passé. Parce que chaque chose que nos patriarches ont fait, eh bien, ils ont ouvert en fait une porte pour nous dans l'histoire. Il y a une autre raison. Raison pragmatique, basique, c'est que, en fait, Abraham était pauvre à cette époque. Il était pauvre. Et en descendant vers l'Égypte, vous savez, en Israël, tu descends vers l'Égypte, vers le sud, il n'avait pas de quoi vivre, de quoi manger. Donc, il est parti chez les aubergistes, il leur a demandé de le prendre, non pas à l'œil et gratuitement, mais à crédit. Il dit, écoutez, je baise à ta chaîne, avec l'aide de Dieu, je vous rembourserai. Faites-moi crédit et confiance, je vais vous rembourser. Donc, il doit rembourser ses dettes. Il ne peut pas être religieux sur le compte des autres. Ah non, moi, je ne veux pas recevoir des cadeaux. Si tu as l'opportunité d'avoir des cadeaux pour pouvoir rembourser de tes dettes et t'acquitter de tes obligations, tu le fais. Parce que les autres, ils sont là, ils attendent. Ils doivent payer il doit payer les dépenses, il doit payer tous. Donc, tu dois payer, très bien. Tandis qu'à l'époque de Sodome, il avait déjà les moyens, Abraham. Donc, pourquoi prendre si j'en ai pas besoin? J'ai pas besoin de prendre. Il y a une autre raison qui est plus poussée que ça. Et une idée aussi, j'allais dire, c'est un peu... Chez Sodome, c'était un peu l'argent sale. Il voulait pas toucher ça. Je touche pas à ça. Je touche pas à ça. Je me mouille pas à ça, dans le sens où, comme vous avez bien dit, et ça c'est un élève, lorsque je parlais de ça, un élève secondaire 1 ou secondaire 2 vient me voir, en me disant, mais Rabbi, je l'ai même parlé avec un ça, on a discuté un peu, je lui ai dit, comment c'est beau, et c'est innocent, et c'est vrai, c'est l'action que vous m'avez posée, mais Dieu a plein de moyens comment envoyer sa bénédiction. Donc Dieu va dire, j'ai t'enverré la bénédiction, si ben aujourd'hui la bénédiction elle vient via le réseau Sodome, pourquoi pas? Abraham me dit non, moi, c'est pas ça, c'est pas ce cadeau, je veux pas de ça. Je suis pas intéressé de ça. Et ça, Rabotai, imaginez-vous, tu viens aujourd'hui à la synagogue Haïm, tu poses un chèque de 200 000 $, tu dis c'est pour la bâtisse, retiens, et demain, et dans une semaine, je vous donne encore 200 000, ça me fait plaisir. Et le gars, tu sais que c'est un narcotrafiquant. Tu sais que tout l'argent, elle vient, c'est ou de la prostitution, ou je ne sais moi de quoi. Tu fais quoi avec ça?
C'est quoi pas, l'éthique, elle est où l'éthique? Allez, quand tu as 500 000 dollars devant toi, je t'assure que tout d'un coup, tu as du mal à réfléchir. Non, mais il y a beaucoup d'échecs hein qui ont refusé. Alors, c'est ça la question. Donc, c'est ça l'idée. C'est l'éthique, la moralité. Bon, maintenant, Rabotai, en parlant de ça, c'est que la paracha de cette semaine est très intrigante. On va revenir à Sodome. Cette semaine, c'est l'apocalypse de Sodome. Dieu va dire à Abraham, « Amichase anim Abraham, est-ce que moi je vais cacher à Abraham ce dont je vais faire ?» Comme si que Dieu, entre guillemets, pas gêné, mais il va dire quoi ?« Abraham, c'est celui qui m'aime, qui me chérit, et je vais lui cacher mes plans ?» Ben, je vais lui dire ce qui se passe à Sodome et ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que je vais détruire cette ville. Pas que cette ville, les cinq villes, dont Sodome, mais c'était les cinq villes, Admat, Sfouim, Sodome, Amora, Tsoar, etc. Donc cinq villes. Et ces villes-là, il faut le savoir, qui réussissaient économiquement, financièrement, c'était vraiment exceptionnel, tout ce qui se passait là-bas. Mais le revers de la médaille, c'est que c'était des gens qui se disaient à la pointe de la technologie, à la pointe de l'éthique et de la morale, des gens avant-gardistes, des gens modernes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que toute leur loi était d'interdire, et je vais dire dans ces mots, tout ce qui est fragile n'a pas sa place chez nous. Et vous savez quoi? Je vais vous donner des termes qui sont intéressants. Vous allez tout de suite vous identifier ces termes, vous allez vous rappeler de quelque chose d'intéressant. Mais avant de revenir à ces termes, permettez-moi de vous dire une chose que je ne comprends pas. Abraham va faire la guerre au Rabat-Biari. Abraham, Avinu va faire la guerre à Dieu. Tu veux détruire cette ville? Mais attends, il va se mouiller. Hein. Abraham va se mouiller. Il va se mouiller les plumes, là. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, tu oses détruire une ville s'il y a 50 hommes justes dans cette ville? Il va dire, s'il y a 50, tu sais quoi, je ne détruis pas. Mais il n'y a pas 50. Quoi, bon Dieu? Il n'y a pas 45? Il dit, s'il y a 45, mais il n'y a pas 45. Franchement, 40? Et il arrive, tac, il descend. Jusqu'à 10. 10, il dit, je ne peux pas descendre moins. Il dit, il n'y a pas 10. La Gemara, il dit, c'est tellement horrible, ces gens, c'est que la loi qu'il y avait à l'entrée, c'est que chacun pour soi. Chacun pour soi. Et Dieu pour tous. Ça s'arrête là. Chacun pour soi, je m'explique. Il y a un pauvre, on ne lui donne pas à manger. Parce que donner à manger, c'est défier les lois de Dieu. Dieu l'a fait pauvre, qui se débrouille. Moi, je vais défier la parole de Dieu. Et vous savez que tant le féroce à rachat, ce rachat, qui a brûlé le Sefer Torah, il a dit à Rabbi Akiva, je ne comprends pas. Comment vous pouvez donner à manger aux pauvres? Ça fait partie de la mitzvah de Tzedaka, une des mitzvahs basiques, essentielles, fondamentales du peuple juif, de la Torah. Et bien, alors que Dieu les a fait pauvres, ben vous contrevenez à la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui les a fait pauvres, c'est sa volonté. Et Rabbi Akiva va lui répondre, pas du tout. C'est pour nous sauver à nous, nous riches, et il les a fait pauvres pour qu'on puisse leur donner. Et c'est comme ça que c'est, etc., etc. En tout cas, alors et eux, ils vont dire, c'est très simple. Il y avait même une fois un pauvre qui était connu, le pauvre de, je ne sais pas moi, là-bas, des Champs-Élysées, là-bas. Mmh. Et ce gars, il ne meurt pas. Mais c'est qui lui donne à manger? C'est pas possible, il ne meurt pas ce type. Il vit sur quoi? Sur ses batteries Tesla ou quoi? Comment ça marche, ça? Comment il fait? Ils ont dit, il faut qu'on le chope. Ils ont mis des caméras dans toute la ville. Enfin, des caméras, vous imaginez, je veux dire, des espions. Ils ont vu qu'il y avait une fille. Ils disent, selon la vie, c'était la fille de Lot. En tout cas, que chaque fois qu'elle partait puiser de l'eau, elle faisait un petit bouillon, elle voyait qu'il n'y avait personne, elle mettait du pain au pauvre là-bas. Pour que la prochaine fois qu'il puise, il va trouver du pain et qu'il a mangé. Donc, c'est comme ça qu'ils ont capté que c'est cette femme qui nourrissait cet homme. En cachette. En cachette. Ils lui ont fait sa fête. Ils l'ont pris accroché à la muraille de la ville. Ils l'ont enrobé de miel et ils ont ouvert toutes les ruches. Elle a maintenant allé piquer cette femme. Elle a souffert. Elle est morte dans des souffrances horribles. Horribles. Et c'est ça qui est écrit dans le Passouk. Zarakat, c'est Sodome. Bah, et là, le cri de Sodome est monté. Dieu va dire le cri de Sodome, comment c'est écrit dans le Passouk? Zarakat, c'est Sodome, Amora qui rabat. Le cri de Sodome et de Amora est tellement grand. Est monté à moi. Le cri de cette jeune fille qui hurlait. Je ne pouvais plus rester comme ça. Et bien, je détruis. Mais je vais quand même le dire à Abraham. Et Abraham va tout faire pour contrer l'idée, le projet de Dieu. Première question, qu'est-ce que toi, Abraham, qui est l'antithèse de Sodome, parce que toi, tu es l'homme du chesed,
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu pries pour ces gens-là? Mais c'est exactement tout au contraire. S'il y a des synonymes, eh bien ça, c'est exactement le contraire d'Abraham. Antonyme. C'est l'antonyme d'Abraham. C'est Marie Bonochalam. Qu'est-ce que tu pries pour ces gens? Et plus encore, tu sais quoi, on va dire, il y en avait. Tu vas me dire dans toute la ville, quoi, il n'y avait pas un qui était bien. Je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Même dans chez les gauchistes, il y en a quelques-uns qui sont, vont dire des choses bien, non? Oui ou non? Quoi, il faut être que de droite ou quoi? Et même à un moment, il faut. Et encore, je ne comprends pas. Abraham, tu sais quoi, il va dire à Dieu, tu sais quoi? Kadjou, s'il te plaît, mets stand-by le projet. Je t'en prie, donne-moi 6 mois. Moi, je vais aller là-bas, je m'occupe d'eux. Je leur fais faire tes chouettes à tous. Allez. Abraham, c'est ça qu'il a fait toute sa vie, non? Il a ouvert des yeshivot, il a commencé à parler de la parole de Dieu. Dieu, donne-moi quelques minutes, donne-moi quelques mois, mets le projet en stand-by et tu verras. Si ça ne marche pas, on verra. Non, il ne propose pas ça. Il essaie, il voit que ça ne marche pas, sa prière, et il y va. Il fait du forcing à Dieu, une négociation. Puis quand tu négocies avec Dieu, il négocie. Si Dieu m'en parle, c'est-à-dire qu'il veut que je négocie. Il veut que je le fasse. Et ça ne marche pas, quand même. Pourquoi il ne demande pas à Dieu, moi, m'en occuper de, je leur fais faire tes chouettes. Réponse, on ne peut pas faire teshuva à des gens qui pensent que lorsqu'ils sont tordus, ils sont droits. Des gens tordus, des gens qui font des erreurs. Mais quand ils font l'erreur, ils savent qu'ils font l'erreur, mais ils sont fragiles. Alors, on est des hommes et je sais que ce n'est pas bien de faire ça. Je sais que ce n'est pas bien de fumer, que fumer tu, mais j'ai besoin de ça. Je suis addict. Je sais que ce n'est pas bien de voir ça. Je sais que ce n'est pas bien de voler. Je sais que ce n'est pas bien. Je sais, I know. Mais c'est trop dur. Je me suis tellement habitué. Ça, tu peux l'amener à la teshuva, cette personne. Mais quand une personne, il est sûr que, et là, vous allez vous identifier aux paroles que je vais vous dire maintenant, vous allez comprendre de quoi je parle tout à l'heure. Il est sûr que quoi? Que si tu es handicapé, il faut te tuer. C'est une émission nazie. Même camp, vous pouvez lire tout. Tu es juif. Juif, ça veut dire que tu fais du chesed. Tu fais du chesed. Il ne faut pas avoir ce livre. Tu peux aider les autres. Mais la race juive, c'est ceux qui aident les fragiles. Et nous, on est contre la fragilité. On est la race aryenne, la plus haute. Et tout celui qui n'est pas comme cela, on l'élimine. C'est exactement Sodome. C'est exactement ça. Lorsque tu penses, toi qui as la fine pointe de la technologie avant-gardiste, les docteurs, les philosophes, où t'amènes peut-être toute cette philosophie, tu pourrais envoyer des millions de personnes en chambre à gaz. Que Dieu s'en occupe. On va arrêter la suprématie. Et ça, Abraham, il a dit, moi, je ne me mouille pas avec ces gens qui pensent que ce qui est tordu est droit. Ça ne marche pas. Quand tu es tordu, tu sais que c'est tordu, mais tu es comme ça et tu dis, oh, t'es kendo. C'est trop compliqué. Bon, là, on peut travailler, on peut parler, on peut discuter. On peut discuter. Mais si tu penses que quoi? Qu'il n'y a rien à te reprocher dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux que je te remette en question en quoi? Au contraire, pour eux, c'est une mitzvah ce qu'ils faisaient. Ils ne vont pas contre la parole de Dieu. Vous voyez comment ils défendent? Dieu l'a fait pauvre, ben je me débrouille. Qui reste pauvre? Ils vont contre la parole de Dieu, vous imaginez? Ils vont contre Dieu, avec Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, ils vont crever les yeux à Dieu. Et ça, avant la vie de Jiche. Alors pourquoi avoir une loi prier pour eux quand même? Dieu, je te demande une chose. Moi, je ne peux pas leur faire changer d'avis, je sais que c'est impossible. Ah. Et ça, peut-être, toi, tu peux faire. Ça, toi, tu détiens ce pouvoir. Fais-le, s'il te plaît. Ils ne méritent pas. Wow. Ils ne méritent pas, ils sont allés trop loin. Parce que ça, c'était leur choix, d'aller trop loin. Ce n'est pas moi qui leur ai imposé ça. Les jeux sont faits. C'est fini pour eux. Donc, c'est vrai qu'Abraham a prié. Pas pour leur faire, pour toi qui détiens ce pouvoir que ça vienne de changer. Chez les gens, les mœurs, se changer l'idéologie parce que moi, je ne peux pas le faire. Quelqu'un qui est tellement qui est si borné, si abruti par ses idées. Alors, peut-être toi, tu peux le faire. Mais Dieu va dire, c'est fini. Pour eux. Et là, c'est ça, et c'est ça qui se passe. Et c'est tellement... Lorsqu'on développe un peu tout ce sujet de Lot à Sodome, parce que Lot habitait Sodome, vous savez ça, que Abraham a sauvé son neveu de Lot. Et en fait, Dieu a envoyé des malachim, des anges, pour aller sortir Lot de là-bas. Et sa femme est devenue en serre, en statue de sel, etc. On retrouve chez Lot, comme je disais, cette schizophrénie religieuse. Ce côté où être avec Dieu sans Dieu. C'est très complexe.
il reçoit des anges chez lui au point de se mettre en danger de vie, parce qu'il n'a pas le droit. Lorsqu'il demande, donnez-nous ces hommes, on va les juger, on va les tuer, quoi. Plutôt, on va les violer, après on va les tuer, ce que Rachid dit. Eh ben, il va leur dire, non, 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 ne faites rien à ces hommes, ils sont venus sous ma protection, ils sont sous ma protection, sous mes ailes, sous ma protection. Je vous donne mes filles, faites ce que vous en voulez. Attendez, tu entends ce que tu es en train de dire? Au nom de l'hospitalité, tu n'es pas prêt d'abandonner ces convives qui viennent venir chez toi. Ça, c'est qui parle? L'autre. Et dans la même phrase, tu dis, je vous envoie mes filles. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est complètement... C'est aberrant. Mais ce qui est ici, ce que je suis en train de dire ici, aberrant, parfois, nous-mêmes, nous tous, on le pratique, on l'exerce. Et à toute petite dose, ou à plus grande dose, par exemple, dans notre Emouna, je parle pour moi en premier, on croit tous en Dieu. Mais c'est pas parce qu'on a, comme on dit, une voiture, ça veut dire que j'ai un permis de conduire. Parce que j'ai la Emouna, ça veut dire que j'ai la confiance en Dieu dans notre vie de tous les jours. Et donc, quand on a tous les Emouna, on croit tous en Dieu. Et lorsqu'il nous arrive un gros pépin, on pète les plombs. Mais tu crois en Dieu. Tu le crois. Alors pourquoi tu pètes les plombs? Tu dis jonctes. Mais tu sais bien que ce n'est pas venu tout seul, ça. C'est un message, va comprendre. Mais ce n'est pas le bon Dieu, il a fait, oh zut, oh, je l'ai oublié celui-là, je l'ai laissé pour compte. Oh là, je ne l'avais pas vu dans mon agenda, j'ai oublié, il a eu la maison qui explosait, les tuyaux, ils ont truc, tata. Ah, je n'avais pas checké qu'il allait avoir une météo pareille. Sans... Le bon Dieu, il a des dommages collatéraux chez lui qu'il n'a pas pris en compte. Tout est pris en compte. On sent que c'est pépin. Ça s'arrête là. C'est ça l'idée. On développera, on va les attacher un peu plus tard. Tout ça, c'est beau, c'est moussarique, philosophique, rentrer dans la Torah, rentrer dans les idées. Donc, tout ce que je viens de dire ce soir, ce sont des points que j'ai repris du Rishon Etzion, Rav Shlomo Amar. Voilà justement un des Sfarim que ma mère, la Tzadik, m'a apporté. Elle est venue avec une valise en plus que de livres. Je demande à mon père un livre. Je vais avoir chez moi un petit livre comme ça, je vous promets. Un petit livre comme ça. Il m'a amené 35 livres. Je ne sais pas comment aller. Je vais avoir chez moi. Prends-moi une autre valise. Prends-moi une autre. Allez. Enfin, moi, je vous mets tout ça. Je vais dire que mes mères, on verra après. Enlève les robes. Mais... les attacher à mon cœur à bouteille. Alors maintenant, on va prendre la Gemara. Je voulais vous dire une petite chose. Quand vous dites que tout ce qui nous arrive, c'est arrivé à Abraham et tout. Un de ses frères, le premier frère, il est mort dans la fournaise. C'est exactement ce qui va arriver après aux Juifs dans les camps de concentration. Le deuxième frère, Nahor, lui, il est resté à Our Kashdim. C'est tous les Juifs qui sont restés en Galoute. Et Abraham Avinu, lui, il est allé en Israël. C'est tous les Juifs qui font leur alia. Donc, tout est relève. Et la dernière chose, c'est qu'entre Adam Harishon et la naissance d'Abraham, ça avait exactement 1948 ans. C'est la date de la création de l'État d'Israël. C'est très beau. Mais on verra si c'est vrai à la fin des temps. C'est beau ce qu'on vous dit. C'est déjà. Vous avez dit tout à l'heure que tout ce qui leur est arrivé... Oui, oui, mais on verra si c'était par rapport à ça. Parce que de dire ça, c'est quand même... C'est pas mal. Je ne sais pas si M. Moïse Derry accepte. Si Moïse Derry l'accepte, j'accepte. Je le savais. Je le savais ou pas? Je le savais. Un bon mot. Il y a une autre chose que je n'accepte pas. Allez. Pourquoi Dieu a créé les pauvres? Méfiez-vous la réponse. Méfiez-vous, parce que vous avez donné une réponse tout à l'heure. Je ne l'ai pas aimé. C'est pour ça que je vous pose la question. Pourquoi il y a des pauvres? Pourquoi il y a des pauvres? Ah oui, pourquoi il y a des pauvres? Il est chauffé au mishpat. Pourquoi il y a fait des pauvres? Je vous lis. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi il ne fait pas soleil tous les jours? Il ne fait pas quoi? Soleil tous les jours. Pourquoi il ne fait pas beau tous les jours? Non, non, ça n'a rien à voir. On parle de la vie humaine. On ne parle pas des astres. Alors pourquoi il y a des aveugles? Pourquoi il y a des aveugles, des sourds, des maladies? Ça, c'est des maladies. La pauvreté n'est pas une maladie. Je veux qu'il m'explique pourquoi il l'a dit. Peut-être qu'il a fait les pauvres pour que l'on puisse faire, nous, la mitzvah de la tzedaka. C'est ça qui m'inquiète. Et il veut écouter les pires aussi. Pour que les riches améliorent leur vie. Pardon?
Je vais vous lire le Midrash. Il n'y a pas de pauvres. Les pauvres n'existent pas. C'est ce que chaque personne veut faire pour ne pas être pauvre. Non, les pauvres existent. Il ne faut pas nier des réalités. Oui, mais au départ, quand quelqu'un n'est pas né pauvre. Il a quelque part dans sa vie, il n'a pas fait quelque chose de bien. Il y en a qui sont nés pauvres, qui ont vécu pauvres et qui sont morts pauvres. Alors, écoutez, il faut être réaliste. C'est ça la réalité de la vie. Il faut l'accepter. Moi, je veux qu'il me lise ce passage. Moïse, le monde est fait comme ça. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des capitalistes, des communistes. Il y a toujours. Elohim, c'est la rigueur. La rigueur, pourquoi il a fait des pauvres et des milliardaires en opposé. Je ne suis pas communiste, hein. Mais les riches sont devenus riches, les pauvres sont devenus pauvres. Ce n'est pas lui qui les a créés. Non. Il y en a qui sont nés pauvres, qui resteront pauvres et qui vont mourir pauvres. Parce qu'ils n'ont pas les opportunités. Ils n'ont pas su prendre les opportunités. Exactement ce que je viens de dire. Ah oui? Exactement ce que je viens de dire. Bravo. Non, mais il y en a qui n'ont pas eu d'opportunité. C'est pas. Écoutez, laissez-le me. Est-ce que le rabbin peut me répondre? Si... Je vous lis l'agma. Le Midrash, je vous lis. Alors, la question que j'ai dit, c'est la question que je vous lis. Regardez. D'abord, je me suis délecté un petit peu de toutes vos discussions et vos échanges, parce que vous avez tous raison. Maintenant, on va expliquer comment vous avez tous raison. Il y a deux versets dans la Torah, deux versets. Le monde est fait d'une manière qu'il y aura toujours un pauvre. C'est un passage de la Torah. Et la Torah sur cela nous dit, donc, comme il y a des pauvres, tu dois aider ton frère qui est en difficulté. Très bien. D'un autre côté, il y a un verset qui parle des bénédictions de la Torah, d'une certaine manière. Ephes qui est Bechaevion. Il n'y aura pas de pauvres chez toi. Donc, certaines Béracha. Même la Gemara raconte qu'il y avait deux grands hommes exceptionnels, un qui s'appelle Rabbi Yohanan et un qui s'appelait Ilfa, Rabbi Yohanan, qui étudiait la Torah. Vous connaissez le fameux Rabbi Yohanan et Ilfa, des géants, des génies en Torah. Ils ont dit, nous sommes pauvres, on ne bosse pas, on étudie, on n'a pas les moyens. Écrire la Torah, il n'y aura pas de pauvres. Allons travailler, faire business afin d'appliquer ce verset. Qu'il n'y ait pas de pauvres. Donc on va faire de l'argent, ça on va payer pauvres. Ils arrivent, ils avancent, ils vont en route pour aller faire business. Ils sont fatigués, hein, ils voient un mur, ils s'allongent sur ce mur comme ça, ils s'adossent sur ce mur pour se reposer un peu. Et là, Rabbi Hana, il entend une discussion, une voix céleste. Comme des anges qui parlent, c'est des anges. Donc vous imaginez le niveau, il entend, il dit. Poussons le mur contre ces deux hommes qui méritent la mort parce qu'ils délaissent la Torah éternelle pour aller vaquer à une occupation passagère et matérielle qui, en fin de compte, n'est qu'un moyen pour arriver au but qui est la Torah. Et ils délaissent le but pour aller au moyen. Ils ont déjà le but. Alors Rabbi Yochanan, il fait « Allô, il fait, tu entends ?» Il lui dit « Non, de quoi tu parles ?» Il dit « Shema Amina, je déduis que si c'est moi qui ai entendu ça, c'est que mon Dieu il me parle à moi, là. » Il dit « Écoute, tu sais quoi ? Il fait, on fait comme ça. » Il a écrit deux versets. Il a écrit « Il y aura toujours des pauvres dans la terre. » Il a écrit « Il n'y aura pas de pauvres. » Toi, tu vas devenir riche, tu vas faire appliquer le verset. Il n'y aura pas de pauvres. Et moi, je vais appliquer le verset. Il y a toujours des pauvres, je vais être le pauvre, je vais étudier. Et Gmara raconte qu'il fallait partir d'une business, mais une très riche. Il est revenu au Beth Midrash, il se sentit très mal. Il est monté sur un mât d'un bateau, il a dit, posez-moi toutes les questions de l'Alakha. Si je ne connais pas, je me sors du bateau. Wow. Pour dire, je connais encore ma Torah. Même en travaillant, j'ai conservé ma Torah, j'ai pratiqué ma Torah. Bon. Alors maintenant, je vais vous lire ce que la Gmara nous dit. A développé, a expliqué à M. Derry, d'accord? Mais je vous lis. Sha'al Tournosorophos, donc Tournoporos Aracha,
C'est ce rachat qui avait brûlé la Torah, l'époque de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva. Im elokechem ohev ani imu. Si votre Dieu aime les pauvres, au point toute la Torah, on le voit. La veuve et l'orphelin, tu vas supporter. On parle des pauvres, ceux qui ont besoin. Et ça, tu vas aider. Et ça, Yatomal Mané. Ok, il les aime, enfin, contre le bon Dieu. C'est ça, il veut qu'on les aime. Alors, Mipunema et Nomé Farnesam, alors qu'il leur envoie la subsistance, ils ne seront plus pauvres. Il lui répond, Amarlo, Kedeshinitol Anum Bahem et Dinashel Ginam. Écoutez ça, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous allez entendre Rabbi Moshe? Hein, vous êtes prêts? Oui, je suis là. Okay. Sans garantie légale. Hein. Alors écoutez, il lui dit, afin que nous, donneurs, puissions nous extirper du Guénam. Dans le sens, ça va nous aider pour nous prendre des mérites. Il lui dit, mais ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il argumente avec lui, il dit pourquoi. Il dit, imagine-toi qu'un roi, il donne un machal. Il ne comprend pas, il faut qu'on lui donne des paraboles. En tout cas, il lui dit, imagine-toi un roi. Il s'est mis en colère contre des sujets, des esclaves à lui qui ont fait tout, n'importe quoi. Va savoir ce qu'ils ont fait contre lui. Ils se sont mis en colère et il a fait quoi? Il les a mis en prison. Et toi, tu viens, tu aides ces gens à s'évader de la prison. Donc, Dieu les a cloîtrés dans leur pauvreté, d'une certaine manière. La prison. Toi, tu viens, tu les délivres de cette prison. N'est-ce pas ici un geste de lèse-majesté contre son Altesse, roi? N'est-ce pas? Oui. Très bonne question. Il lui dit... et surtout que vous êtes les sujets de Dieu. Mais... Libéni Israël Abadim, Abadaye, Né Israël, vous êtes mes esclaves, Dieu va dire, mais c'est mes sujets. Donc vous êtes issus de Dieu en faisant ça, vous allez. Et il dit, Rabbi Akiva, écoute-moi bien, regarde. Ça aurait été vrai si on était des esclaves de Dieu seulement. Mais on est aussi Bani Matem Lachem Alokirem. Nous sommes des enfants de Dieu. Étant enfants d'Akadosh, le roi, même s'il a mis son fils pour lui montrer une bonne leçon en prison, il attend qu'il y ait un des ministres qui sorte son fils, là, qui aille lui donner ce qu'il faut. Parce qu'il ne veut pas avoir son fils en souffrance. Et au contraire, il va être très heureux qu'un ministre aille derrière lui parce qu'il ne peut pas lui faire ça, qu'il aille le sortir, ouvrir la trappe et lui dire, viens, je te donne ce que tu as besoin, mon gars. Et il va être reconnaissant à son ministre. Il va dire, ben, qui va? Et là, chez Israël, Kouim, Banim, Virtiv, Banim, Matam. Vimken, Bevadaï, Shamele, Chismar, Imishou, Yachel, et Beno. Le roi va être tellement heureux si quelqu'un a son fils qui est en prison en train de pourrir là-bas. Et donc, c'est ça qu'il nous demande. C'est ça qu'il nous demande. Qu'il nous demande de faire un Kadosh Baruch Hu. Mais il faut aller plus loin que ça. D'accord? Il faut aller un peu plus poussé que ça. Il n'y a pas que ça. C'est que, vous savez, Rabbi Moshe, chacun son rôle dans la vie. Chacun son rôle dans la vie. Il y a des orfèvres. Il y a des mécaniciens. Il y a des businessmen, il y a des cordonniers. Chacun comment il fait. Et heureusement qu'il n'y avait pas que des cordonniers. Parce qu'aujourd'hui, je n'aurais pas eu de voiture. J'aurais dû aller à pied toute la journée. Donc à Kadosh Baruch Hu, il a donné chacun sa manière d'être. Ça, c'est de manière professionnelle. Même dans le service d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, lui qui connaît la Neshama de chacun, comment elle est, je ne peux pas rentrer dans les antres et dans les coulisses d'eux. Lui, son travail, par exemple, je donne un exemple, comment il s'appelle, Rothschild, lui, son Issayon, ça va être de vivre avec la richesse. Un autre, où il y a eu un revirement de situation que je connais, par exemple, d'un coup, il est pauvre, Dieu va dire, tu m'as servi étant riche, maintenant, je veux voir en tant que pauvre. Ça veut dire que par tous les moyens, les facettes, comment je vais servir à Kadosh Baruch Hu? Et c'est par les moyens qu'Akadosh Baruch Hu te donne, tu dois le servir. Et c'est ça l'épreuve. Et Shlomo HaMelech va dire, Akadosh Baruch Hu, ne me fais pas pauvre, je t'en supplie. J'ai peur de voler. Mais surtout, ne me fais pas trop riche, j'ai peur de t'oublier. Le riche qui frime avec son argent, qui oublie Akadosh Baruch Hu. Pas mauvais de frimer, ça va. Mais pas trop.
pas crever les yeux aux gens. Un problème de Aïnara. Faut faire attention à ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il faut le servir par tous les moyens. Si j'ai des moyens, très bien. Et si Dieu m'en a pas donné, ça, il veut que comme ça, il veut le servir. Il ne veut pas que je le serve en tant qu'Arié. Il veut que je le serve en tant que Malkiel. Il ne veut pas que je le serve en tant que Shlomi. En tant que Malkiel, chacun son travail. Et si le bon Dieu t'a mis dans le monde et moi, il m'a mis à meilleur que moi, je ne peux pas faire ce que toi, tu as fait. Et c'est ça la richesse de la culture juive. La richesse de la culture juive, de la base du judaïsme, la base, c'est que toi, tu ne peux pas faire mon travail. Et moi, je ne peux pas faire le tien. D'où nous, le besoin d'être ici. Pour servir à Kadosh Baruch Hu. Chacun sa tâche, chacun sa mission, chacun son petit compte, chacun son nissan. Donc, il y en a qui vont être riches, il y en a qui vont être pauvres. Maintenant, moi, en tant que nissan de riche, est-ce que je vais donner la tzedaka? T'es blindé, tu peux. Et habituellement, il faut le savoir que c'est un grand nissan, et je sais de quoi, pas moi personnellement, parce que pas, mais je sais de quoi je me parle lorsqu'on va demander des fois à des riches qui ont les moyens. Et parfois, ils ont un nissan. Ils ont une barrière. C'est dur parce que time is money, c'est mon travail. Je me suis attaché à cet argent. C'est comme ce type qui est venu voir ce radin. Le gars est venu voir le radin. Un grand rabbin est venu voir le rabbin. Un grand rabbin est parti voir le radin. Hein? Laisse Meknes de côté. Ah non, 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 je ne parle pas de Meknes. Il y a monsieur ici qui va me donner des coups. Vous n'êtes pas de Meknes? Ah non, c'est l'autre série. Ah, ok, je me suis trompé. Il n'y a personne de Meknes? Non, 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 il n'y en a pas. Ah. Hey, on rigole, hein? Les Meknesis, c'est plus généreux. Voilà, je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, j'ai reçu d'un Meknesis. Que Dieu l'a béni. Ça va, mais c'est pas grave, les Meknesis. À beauté, les Meknesis. En tout cas, blague à part, ok, il vient monsieur Derry, vous me mettez dans des trucs, je ne sais pas vraiment en sortir après. Parce que les voisins, lui, les... Okay. C'est qui fait les faciles. Non. Il s'énerve. Écoutez, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, le rabbin, il arrive, il lui dit, mais chaque fois que tu viens me voir, et tu ne vois pas que tu ne donnes pas. Il lui dit, non, je te dis une chose. Il écrit que quelqu'un qui va voir les malades, il prend de lui un 60e. Ça fait, chaque fois que je viens, je n'ai jamais réussi à te prendre. Donc, je lui dis, tu es encore malade. Dès que tu vas me dire, j'ai un chèque, ça veut dire que je vais savoir que c'est bon, tu as été guéri. Allez, tiens ton chèque, ne me casse pas la tête. Maintenant, écoutez. Alors, chacun, c'est son menant, le Kadosh Baruch Hu, il connaît son chama, il est son nissayon. Que c'est dans la richesse, que c'est dans la pauvreté. Mais d'un autre côté, s'il y a des pauvres, moi, Dieu, la base de tout, c'est d'aller soutenir ce pauvre. Dieu te demande, va aider ce pauvre. Pourquoi lui, il est pauvre, c'est une raison. Mais toi, tu dois aider. Ton travail, c'est d'aider ce pauvre. Moi, ma mission, c'est qu'il devait être pauvre pour mes raisons. Pour toi, ton travail, c'est qu'il ne soit pas pauvre. Pas le faire. Et ni tol midina shel guinam. Et d'une certaine manière, à Botaï, entre nous, c'est qu'il le riche avec le R majuscule. Avec le P majuscule, plutôt minuscule, c'est nous. Nous sommes dépendants de Dieu dans tout. C'est le riche, nous sommes le pauvre. Tout homme, toute humanité, toute créature est pauvre vis-à-vis de son créateur, qui est riche, riche de tous les moyens. Et nous, pauvres, demandons à Dieu vie. Demandons à Dieu à Kadosh Baruch Hu. Donc nous, on peut parler de manière financière, mais il y a d'autres choses. Il y a la santé, il y a la vie, il y a tous les enfants, tout. Donc on est tous des pauvres. On est tous demandeurs d'eux. Et c'est ça qui te dit Rabbi Akiva. C'est-à-dire que quoi? Moi, je te donne des outils pour pouvoir me servir. Tu ne les as pas fait, donc toi, ta place, elle n'est pas dans le Gainam. Mais tu dis à Kadosh Baruch Hu, non. S'il te plaît, ne me mets pas là-bas, parce que oui, j'ai des faiblesses. Mais regarde d'un autre côté, ceux qui sont pauvres, c'est-à-dire à l'instar de moi qui étais pauvre par rapport à toi, je donne aux autres pauvres. Toi aussi, donne-moi. À l'instar aux pauvres, où j'aurais pu dire c'est le pauvre, il aurait été pauvre. Comme toi, tu peux me dire, eh ben, ta vie des boutons à l'avoir. Et moi, je te demande comme de la même manière que je donne aux autres. De la même manière, à l'instar que je donne aux autres, tu le donnes. C'est ça, Mida Keneket Mida. L'autre qui est pauvre, monétairement, financièrement, maintenant, aujourd'hui, et quand je parle financièrement, il peut avoir des pauvres, même psychologiquement. Les gars, ils ont besoin un peu d'encouragement, de support. On est avec toi. Qu'est-ce que tu as besoin? On est ici. Bikur Rolim, ce que vous voulez. On a besoin de support. Ça, c'est la plus grande Tzedakot. La plus grande Tzedakot. Bon, on n'a pas fait la Gemara dans tout ça. On a niaisé, là? Non, on n'a pas niaisé, là, je rigole. On avance, on fait la Gemara. Rabotai, cette Gemara est intéressante. Souvenez-vous, on était arrivé. On avait parlé du Zimoun. Dans le Zimoun, il faut être minimum 3, ce qu'on avait vu apparemment. On va voir.
On a vu que qui peut être joint aux Zimoun? Un Tamid Racham, un Tamid Racham ne peut pas joindre un ignorant Torah dans son Zimoun. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas qu'ils mangent ensemble. Parce que si l'ignorant, le Amaret, ce qu'on appelle dans le Talmud Amaret, l'ignorant, joint le sage et l'érudit, et cet érudit, un jour, il va devenir ignorant lui aussi. Parce que l'ignorant, de quoi il va parler? Et il va parler que quoi? Que de tout et n'importe quoi qui n'a rien à voir avec la Torah. Alors là, il va parler de politique. De politique, il va parler argent. De argent, il va parler de voiture, il va parler finance. Finance, il va parler de femme. De femme, il va parler je ne sais pas quoi. Il va savoir où il va aller. Il va faire le tour de la question. Hein. Est-ce que ça ne peut pas aller de l'autre sens? Très bien. Réponse. La glissade, c'est très facile. La glissade, c'est facile. Et Chachamim disent Gnaï ou les Tamidé Chachamim, la Chevet im Amaret. C'est pas bon, Tamid Chacham. Si tu vois le Rishon Lezion, je vous pose une question. Tu vois le Rishon Lezion s'asseoir avec les péchos du chouk là-bas, qui est toute la journée en train de manger les pépites et les cacahuètes. Je prends rien de mal, mais des ignorants. Ils sont en train de voir le football, prochaine coupe, c'est après le football, on passe au basketball. Tu crois qu'il ne va pas se dégrader? Combien tu penses qu'il peut? Tu vas amener cet homme dans le Makom HaTorah, il n'y a aucun problème. Tu l'amènes dans le Makom HaTorah, tu lui donnes dans le Makom HaTorah. Mais la vérité entre nous, maintenant, je vous dis une chose, c'est que ces lois ne sont plus d'actualité. Je ferai un arrondi. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans le même bain, donc on va tous se rapprocher si on peut. On va se rapprocher aussi d'une certaine manière. C'est ça qu'on va faire. On va essayer de faire dans un repas. On va faire un repas, on va essayer de faire d'Ivrei Torah. Oui. On va parler pour donner un petit peu, pour donner la substance à ce repas. Parce que sinon, quelle est la différence entre moi et le goy? Quelle est la différence entre moi et l'animal? Il mange, je mange. Et votre toilette, je me soulage. C'est quoi la différence? Ça donne une substance, une réalité. Comme on dit tous les matins, Umotar Adam Ina Behema Aïn. L'avantage de l'homme sur l'animal, que dalle. Aïn, rien du tout. Et là, les Vadaleshama Teora, Shiatita Tendin Rejmon. Maneshama qui est en moi, c'est ça qui fait toute la différence. Sinon, qu'est-ce que je suis mieux qu'un animal à votre tête? C'est cette conscience, cet intellect que Dieu m'a donné qui fait toute la différence. Mais c'est un intellect pour faire quoi? Pour ne pas faire mes plaisirs. Alors en fait, c'est un animal mieux, mais amélioré. C'est pas ça que Dieu veut. C'est de savoir comment laisser la place à Kadosh Baruch Hu et qu'est-ce que Dieu attend de moi. Avec tout ce qu'il m'a donné, qu'est-ce que je fais pour le servir. Alors en tout cas, en venant à ça, la Gemara raconte comme ça. La Gemara raconte, écoutez cette histoire très intéressante. On avait étudié. Maintenant, nouvelle histoire. On avait vu que si des gars, ils ont mangé des aliments qui sont un peu halakhiquement controversés. Ils ne sont pas top. Ce n'est pas du glat kasher. Si le gars, il a mangé du porc, il me dit, je vais faire Zimoun avec toi. Ça marche? Non, ni la bracha, ni rien du tout. Le gars. Il ne faut pas. Hein? Quel Zimoun? Non, mais par exemple, ça arrive si quelqu'un est malade. Il n'a pas le choix de manger ce qu'il veut. En tout cas, une question. Il n'y a pas. Mais il y a des aliments qui sont... pas cachère, mais pas cachère. On a vu. C'est pas glade, c'est pas top. Ça passe pas facilement. Par exemple, OK. Alors, on a vu que ça passe, il pourrait faire le Zimoun. Après, on a vu qu'il y a des aliments que si tu as mangé, c'est sûr que tu ne peux pas faire le Zimoun. Impossible que tu puisses faire le Zimoun. Et là, je vous donne l'exemple que la Gemara nous donne. Je vous lis. Tiens, elle nous dit comme ça. Quelqu'un qui a mangé du tevel. C'est quoi tevel? Moi, vous avez fait votre récolte en Israël. Vous avez pris tout votre blé. Après le blé, qu'est-ce que vous devez faire? Le prélèvement. Il n'a pas fait le prélèvement. Il a fait son prélèvement. Ça s'appelle du tevel. Tevel, c'est qu'il y a du terouma et du profane mélangé. Celui qui mange ça, il a haïmitabi des chamans. C'est un très grand avéra, ça. Alors, il y a écrit que quelqu'un a mangé le tevel. Il dit, moi, je veux faire avec vous le zimoun. C'est comme s'il a mangé du non cachère. On ne peut pas l'associer. Alors, la Gemara dit, mais c'est évident, Pshita. Pourquoi tu vas me dire? C'est comme si tu me dis qu'un qui mange du porc. C'est pas grave, c'est la même chose. C'est clair, je veux dire, c'est logique. Réponse la Gemara. Non, mais Tevel, Tavoum et Derabanan. On parle de quelqu'un qui a mangé ici, pas du vrai Tevel, ce vrai mélange-là qui n'a pas été prélevé. On parle d'un mélange qui n'aurait pas dû être prélevé thoraïquement, mais c'est les sages qui ont demandé d'être prélevé. Et lui, il n'a pas fait le prélèvement des Chachamim. Par exemple, quoi? Regardez ça, et ça peut être d'actualité. La Gemara demande quoi comme exemple?
L'Agmara dit, Be'atit Tchilonakouv, un produit qui a poussé dans un pot non percé. Un pot qui a été posé sur le sol. Et le grain qui se nourrit pas du sol directement, il n'est pas assujetti aux lois de Terouma et du Maaser qui devait être en Eretz Israël. Donc imaginez-vous, moi j'ai des pots. J'ai des pots. Tu as des pots fermés, donc il n'y a pas de trou. Et donc, il y a du terreau là-bas. Ça pousse. Mais est-ce que c'est en, est-ce qu'on peut dire que ça poussait sur la terre d'Israël? Ça a utilisé l'atmosphère Israël. Mais est-ce qu'on peut dire que ça a poussé dans la terre? Non. Et bien ça, c'est khayav quand même de terouma, parce qu'après, on ne pourra pas faire la différence par les chachamim, pas par la Torah. Ah. Le gars, il mange ça sans faire la terouma. Oui. Voilà le cas où on aurait pu croire que ça passe. Ça passe. Alors regardez, à Botax, c'est une grande question. Comment faire? Alors moi, aujourd'hui, il y a même plein de... Aujourd'hui, vous savez ce que ça s'appelle l'aquaculture? Vous connaissez l'aquaculture? C'est des choses où on met de l'eau et ça pousse l'iceberg et les romaines, vous savez, les salades. C'est bien parce qu'il y a moins de verre. Bref, les Israéliens, c'est les tops de l'aquaculture pour les algues et toutes les... Pour les salades aussi. Les salades, etc. etc. Vous savez? Alors, c'est une question que Bracha fait sur l'aquaculture. Vous respirez Adama ou Shiakol? Tu vois, Adama, ça pousse à terre, mais ça pousse pas dans la terre. Ça pousse dans... Donc, c'est des questions d'Alaha. Comment ça tombe? Comment ça marche? Alors, je vous lis ici. Alors, il y a bien dit ici, on parle d'un pot qui n'est pas troué. Parce que s'il est troué, on dit qu'il est connecté à la terre. Mais ça, c'est une répercussion. Alaha, elle est même dans les lois de Shabbat. Les lois de Shabbat, mais dans les lois de Shabbat, il n'y a pas de différence si c'est percé ou c'est pas percé. Je vous donne un exemple. Tu vois, chez toi, dans ton jardin, tu t'es mis un pot de citronnier. Tu sais, avec un beau petit citronnier là qui pousse. Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah, j'aime pas ça. Tu le lèves, tu viens, tu as fait avec moi. Tu lèves ça et tu le déplaces. Et bien après la Torah, tu le mets sur des dalles, sur ta terrasse. Tu viens de faire quoi? Tu viens de couper Shabbat. Moi, si on est Shabbat, si tu viens d'enfreindre les 39 travaux interdits par la Torah. Même si tu l'as transporté, que tu n'as pas pris de fruits, ni rien. Ouais. Parce que tu viens de déchirer virtuellement le lien qu'il y avait avec la terre. Mais encore, tu prends ce pot, tu le mets à terre. C'est comme ça que tu sèmes. C'est comme ça que tu sèmes. Même s'il n'y a pas de trou dans le pot. Même si ce n'est pas percé, quand même, c'est interdit. Wow. Oui, on s'en va à l'alaha. Intéressant. La Gemara nous avance et poursuit et dit comme ça à Mishnah, quelqu'un a mangé ma sière et chaune. Et pourtant, Mérina, une fleur coupée qui est dans un vase, on peut la déplacer. Oui. Non. Tu ne peux pas bouger un pot de fleur pendant sa base. Je ne peux pas dire quoi. Un vase avec des fleurs. Un vase avec de l'eau et des fleurs. Des fleurs coupées dans un vase, je veux les déplacer avec de l'eau dedans, tu veux dire. Est-ce que mieux encore, est-ce que je dois mettre des fleurs dans un vase sur le bâtiment? Non, alors la lacha, elle est que pour nous les sfaradim, oui, c'est permis. On a le droit de mettre des fleurs dans un vase de Shabbat, un vase d'eau, si elles sont ouvertes. Si elles sont fermées, qu'elles vont éclore, vaut mieux pas le faire, mais si ce n'est pas grave. Mais pour les Ashkenaz, c'est un son de faire ça, comme ça, c'est écrit dans la lacha. On est plus strict que vous? Oui, les Ashkenaz, toujours. Ah, écoutez, M. Brunner, on vous donne la proposition de venir m'en voir Haïm et on vous fait plein de promotions sur les lachas. Ah. Alors, donc, maintenant, un vase de l'eau avec de l'eau et des fleurs coupées dedans. Si ça te dérange, l'espace, tu as besoin de cet espace. On peut le bouger. Enfin, maintenant, la même chose, mais avec un dans de la terre, on ne touche pas à ces moutons. Ok, Rabotaï, ça, c'est déjà coupé les fleurs. Il n'y a pas de racine. Rabotaï, on avance. Agmar, elle donne une autre question qui est un peu moins d'actualité pour eux. La vérité qu'elle peut être en Israël d'actualité. Quelqu'un, moi je suis donc agriculteur. Je viens de faire une tonne, c'est 1000 kilos de blé. Donc qu'est-ce que je dois faire? 10%. Je donne 10% de. Je donne 2% d'abord au Cohen et 10% au Lévi, etc. Très bien, écoutez ça, histoire de folie. Agmar a dit que normalement, le Cohen, il a eu ses 2%. Combien c'est en kilos? Parlez-moi en kilos. Une tonne, c'est 1000. C'est fait 20 kilos. 20 kilos. Sur ces 20 kilos, très bien. Maintenant, l'autre, le Lévi, il a eu 9,6. Il a eu 96 kilos. C'est bon, pourquoi 9,8. J'ai dit 9,8, j'ai dit 96. 98 kilos. Sur les 98 kilos que j'ai eu en tant que Lévi, ça s'appelle la dîme, je dois prendre 9,8 kilos de là, un dixième. Le Lévi. Plutôt, je dois prendre une terouma de ça. Et de le donner au Cohen aussi. Ça, c'est le Lévi. Ouais, le Lévi de son maaser, ça s'appelle terouma maaser. La terouma du maaser doit le donner. Et tant qu'il n'a pas fait, il n'a pas le droit de manger parce que c'est mélangé, terouma avec le maaser. On avait vu qu'il y a. Alors, la Gemara a dit que c'est quelqu'un qui a mangé la terouma, qui a mangé un maaser Rishon sans avoir prélevé la terouma. Il ne peut pas faire le Zimoun. La Gemara a dit, mais c'est pourquoi il ne peut pas faire le Zimoun? C'est logique.
C'est un mélange de Teruma et non Teruma. Réponse d'Agmara, non, on parle d'un cas spécial. Le Lévi, rappelez-vous ça, c'était le dernier cours qu'on avait appris. Le Lévi voulait faire un subterfuge. Habituellement, je vous ai appris, dès que l'agriculteur a terminé, il donne d'abord 2% au Cohen. Après, il donne quoi ? Au Lévi. Au Lévi. Après, il donne au... après le Lévi donne aussi. Lui, le Lévi, il est venu directement chez l'agriculteur. Il dit, écoute, passe pas par le Cohen, passe-moi directement. Tant que tu es en épi, quand tu es en épi, ça veut dire tant que tu n'as pas terminé la récolte. Parce que l'obligation de la Teruma, elle ne vient que lorsque tu as terminé de la récolte. Alors, tu sais quoi ? Donne-moi à moi directement un dixième. Quand tu es en épi, tu gagnes les 2%. Donne-moi 9,8 et tu gagnes les 10%. Donne-moi en épi. Et alors quoi ? On aurait pu croire que lorsqu'ils les a pris en épi, ils n'avaient pas